Bienvenue sur Babelzins, on vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices. Chères auditrices de Belzins, de Marseille et d'ailleurs, excusez-nous pour ce petit souci technique de première minute. On avait un petit écho sur le studio. Bienvenue auditeurs et auditrices. On vous salue. Nous sommes le 3 mars 2021 et on espère que vous allez bien. Eh ben, Babelzins, c'est le talk show de Babelzins, notre quartier qu'on aime fort. Maintenant, vous le savez, on se retrouve tous les 15 jours. Le mercredi de 17h à 18h sur les canaux de diffusion de Marsilia Stream. Babelzins, c'est une émission proposée par Babelzins, le média participatif de Belzins, un projet porté par le Théâtre de l'Œuvre. Et comme d'habitude, petit speech sur Babelzins. C'est un média participatif en ligne portant sur l'actualité, l'histoire et les mémoires du quartier de Belzins. C'est un média complètement collaboratif. Vous pouvez du coup y poster vos propres articles, vidéos, podcasts et contributions en tout genre. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à poster directement sur le site ou à simplement y jeter un œil. C'est babelzins.com. Vous pouvez y retrouver les différentes émissions qu'on fait ici avec Marsilia Stream, mais aussi des portraits d'habitants, des podcasts, des vidéos, des reportages, mais aussi des propositions artistiques. Voilà tout plein de belles choses. Et si vous voulez nous rejoindre, même ici sur le plateau, vous pouvez prendre contact avec nous. N'hésitez pas à nous contacter et à venir participer à Babelzins. Alors, Zakrokom, elle est Babelzins et elle est média participatif, elle est Tcherkfeh, théâtre de l'œuvre. Fil Babelzins, Najmout Posti, ou le vidéo est un théâtre, le chahed est un théâtre. Aïe, haja, un touma, maata, tout à l'heure, en haand, aleka, bilkarti, elle est hoa, Babelzins. نذكركم بلزانس عنده حكاية كبيرة ياسر مانيش نحكيها لكم اليوم مي نذكركم أنكم تنجموا تمشيوا على الباج فيسبوك متاع بلزانس تشاركوا تنجموا تبوستيوا الشهادات متاعكم تنجموا تبوستيوا الفيديوهات متاعكم أي حاجة تظهر لكم أنكم أنتم تنجموا تشاركوا بها تنجموا تبوستيوها ديريكتومون على بابلزانس بابلزانس تنجموا تشاركوا معنا سيغ الباج فيسبوك متاع بابلزانس ولا في babelzins.com. Et alors, c'est ce qu'on va voir au menu de cette semaine, Elven. Alors, au menu de cette semaine, Arafat pour Babelzins, la deuxième émission de Babelzins. On commencera avec notre traditionnel bulletin des solidarités. Ensuite, on accueillera Prof Babacar qui est déjà avec nous dans le studio pour un petit bout d'histoire musicale du quartier. Qu'on salue déjà. On aura également nos chroniqueuses de choc Isabelle et Julie qui viendront nous ravir les oreilles. Isabelle et Julie, qu'on salue, qui sont derrière, qui nous regardent. Et bien sûr, des invités. Alors cette semaine, c'est un peu particulier. Déjà, on voulait recevoir des enfants. Les enfants qui participent à une résidence radiophonique au Centre de Culture Ouvrière Bernard Dubois, ou CCO Velten. Alors on voulait leur proposer de venir participer à l'émission avec leurs petites chroniques et leurs propositions musicales. Malheureusement, les horaires pour eux ne conviennent pas trop. Alors on a trouvé une solution, ce matin on a fait un enregistrement avec eux. On a réalisé une mini-émission, on a fait cet enregistrement au Théâtre de l'Œuvre et on vous fera écouter ces petits 10 minutes d'expérience radiophonique concoctées par Myriam, Jassim, Warda, Lina, Colline et Lola. Alors, جمع هذايا كيما العادة باش تلقاو معانا لي كرونيكور اي لي كرونيكوز نتاعنا اللي هو بروف بافاكار جولي ايزابيل كنت المعلم بافاكار سي لو بروف بافاكار ان فرونسي مي سي المعلم بافاكار دو بلزانس اي ا شاك فوا معلم بافاكار. J'ai voulu tricher la dernière cette semaine et voir qu'est-ce qui nous va faire écouter Prof Babelzins, Prof Babacar, mais j'ai pas réussi parce qu'on va découvrir ensemble avec nos chers auditeurs et auditrices chaque semaine
les chansons qui va nous découvrir prof Babacar. Alors Kamlou elle est ma Isabelle prof Babacar et Julie elle a amlou hal jemaa li fatet الجمعة هذه حبينا نعمل لكم نستدعاو الأولاد متاع CCO اللي هو Centre Culturel Bernard Dubois مي ما نجمناش يكونوا هوني اليوم alors اليوم الصباح مع Elven عملنا انجستخمون سجلناهم في تياتر دو لوفر باش نكتشفوا شنو سجلنا مع الأولاد مريم جاني واردا لينا سيرين كولين باش نكتشفوا هذايا معاكم اليوم. Alors, et on reçoit également Seba et un autre Yacine. Yacine à la guitare, Seba à la clarinette. باش نكتشفوا معاكم شنو باش يسمعونا اليوم كيف كيف حبيت زعما زعما نطلع على شنو باش يسمعونا اليوم مي قالوا لي باش تكون مفاجأة وننتظروا معاكم المفاجأة نتاع ساب ياسين aujourd'hui. Allez, vous écoutez Babel's Onde sur Marcilla Stream avec Babel's Ins. Nous sommes le 3 mars 2021 et ça commence tout de suite. On commence avec notre bulletin des solidarités, une tradition ici, une rubrique phare. Comme vous le savez peut-être, on a commencé avec ça, avec Arafat sur Marcilla Stream. On a commencé avec un bulletin des solidarités qu'on faisait chaque semaine avec la crise du Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de besoins et on s'est dit qu'on pouvait aider en faisant passer les informations et les différentes initiatives qui se passaient sur le quartier pour un petit peu aider à la dynamique d'entraide. Alors chaque semaine, on vous propose des infos pratiques, des appels à bénévoles, des récoltes de denrées, des distributions, etc. etc. Ben اليوم كيما العادة كيما وعدناكم كل 15 يوم معناتها نهار الأربعاء نكون معاكم بين الساعة الخامسة والسادسة بعد الظهر وكل مرة باش نعطيو باش نبداو معناتها ليميسيون تاعنا أن نعديو نوتر بولتان سوليدار اي اون اي فيدل معناتها نحنا ديما معاكم في باش نعطيوكم تو سكي سباس او سونتر فيل من البزوان دو بينيفول معناتها متطوعين ومتاع لي اسوسياسيون اللي فريمون فريمون كو جو رميرسي اي كو جو سالو اي جو كوراج تو لي اسوسياسيون كي سون اكتيف سور لو سونتر فيل دو مارسي سبيسيالمون بلزانس. On commence avec une info un petit peu de dernière minute. On vous parlait il y a 15 jours de permanence tenue à la mairie du 1-7, tenue les mercredis après-midi. Alors sachez que ces permanences sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, ça ne sert à rien de se rendre en mairie, à la mairie du 1-7 sur la Canebière pour l'instant. Mais n'hésitez pas à vous orienter vers le CCAS, le Secours Pop ou le CCO Bernard Dubois. Alors, كنا كلمناكم الجمعة اللي فات أن البلدية دو أنسات كانت حاطة على ذمتكم بيرو كنا ربعة مي لسوء الحظ أن البيرو هذايا كانوا فيه طلبات متنوعة اللي ما تمشاش مع الاسبري اللي حطته البيرو هذايا. Alors, pour le moment, ils ont arrêté les permanences, وقفوا les permanences متاع chaque mercredi باش نعطيكم peut-être des nouvelles dates, des nouveaux rendez-vous مع البلدية متاع لو 1-7. نحن متأسفين أنها يمكن قاعدين يحاولوا يحسنوا في البيرو اللي حطوه على ذمة المواطنين البلدية. نشكرهم ديجا على اللي عملوه والجمعة اللي بعد الجاية قدرة ربي نكلموكم على الرونديفوات الجايين اللي حطيناهم مع البلدية متاع لو 1-7. Le réseau Ramina maintenant, c'est un réseau d'hébergement et de soutien à des jeunes en difficulté, des mineurs non accompagnés ou mineurs étrangers isolés. Alors si vous avez de la place chez vous, une chambre d'amis vide ou un petit bout de canapé, cette annonce est peut-être faite pour vous. Alors le réseau Ramina cherche justement des places d'hébergement chez des particuliers pour des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés. C'est comme ça que l'administration les appelle, c'est le nom officiel.
Alors normalement, ces jeunes doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est sa prérogative pour toutes les personnes mineures présentes sur le sol français, même si elles sont étrangères. Mais les complexités, la latence des procédures administratives font que beaucoup de ces jeunes passent par une phase de grande précarité et souvent dorment à la rue et avec personne vers qui se tourner. Si vous traîniez dans le centre-ville près de la mairie hier, par exemple, il y avait un rassemblement devant la mairie pour demander la mise à l'abri d'un peu plus d'une centaine de jeunes. Donc heureusement, il y a quand même des réseaux de solidarité sur Marseille et des citoyens solidaires qui sont là pour les aider et pour essayer de forcer la main au pouvoir public et de jouer le rapport de force. Donc Ramina fait un peu ça, mais surtout les aide à trouver des hébergements et propose à des bénévoles de devenir référents de ces jeunes pour les accompagner et aussi leur trouve des places d'hébergement chez des solidaires. Donc si jamais vous avez de la place et de l'envie, toutes les besoins d'hébergement sont régulièrement publiés sur la page Facebook de Ramina, qu'on vous partage dans la description, et on en profite pour vous mettre un lien vers leur chaîne YouTube qu'ils ont ouverte récemment, où vous retrouverez une interview de la présidente de l'association, et du coup elle explique un petit peu comment fonctionne le réseau et l'association. C'est hyper intéressant, et j'imagine que ça répondra à beaucoup de vos questions si jamais vous vous posez des questions sur le dispositif. Alors, quand on parle de le réseau Ramina, ça fait un moment que je vous rappelle que le réseau Ramina est une jamaïa qui est pour les mineurs. Les mineurs, ça veut dire les plus de 18 ans. Il y a beaucoup de mineurs qui sont partout dans le monde, que ce soit de l'Afrique, les pays de l'Est, mais beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus de 18 ans, normalement, c'est l'État. معناتها الدولة هي اللي تكلف بهم مي كوم معناتها الديسبوزيتيف ماهوش مي اجور الور لاسوسياسيون هذيا هي تكلفت بانها تكون متواصله مع المواطنين اللي عندهم قدره انهم يبرجيو سافدير يستضيفوا واحد من القصر اللي عندهم ما عندهم 18 سنه هذوما ويبرجيوهم معناتها يسكنوهم عندهم. Femme opération Sart Kodem Miri, ça fait quelques jours, Andesh Barsha, elle est Barsha à Tasmo, Mata Akal Mofmotasne, à Tasmo Kodem Miri, ou Kadosokno Kodem Miri. Et la mairie, elle a fait un bon geste. Mvakru, elle est le mairie, a amlet un geste, le Nesagouma, elle est heye hébergetum, fil gymnase Valier. Ils les ont hébergés momentanément au gymnase Valier. On remercie la mairie pour cet acte. Bon, ils ont essayé de trouver une solution. Le réseau Ramina a essayé de trouver une solution. Ils ont hébergé les gens qui ont 18 ans. Ils ont hébergé dans le gymnase Valier. Mais le gymnase Valier est le mode d'accès. Mais le baladeur قالت انه ماناش باش نخرجوهم حتى لين نلقاو لهم حل. Alors la mairie elle a dit que ils vont pas l'expulser, normalement c'était pour 48 heures, mais la mairie elle s'est portée garant qu'on veut on va pas les expulser du gymnase Valier jusqu'à on leur trouve un hébergement alternatif. معناتها ريزو رامينا مع البلديه توا قاعدين يشوفوا حل للاقل من 18 سنه هذوما بالنسبه لتوا قاعدين ايبرجي في فاليي وباش يقعدوا متواصلين اكثر من 48 ساعه حتى لين البلديه والريزو رامينيا يلقاو لهم حل. الوغ اذا كان انتوما عندكم معناتها بلاصه تنجموا تبرجيو شويه من العباد هذوما تنجموا تكونتاكتيو تمشيو على الباج فيسبوك نتاع رامينا وتتصلوا بالكوسوسوا الريفيرون كوسوا اللي كونسيرني ديريكتومون وتنجموا تبرجيوهم اذا كان عندكم بلاصه في داركم حتى نهار نهارين ليله ليلتين. كل هذا مع البرد ومع اللي صاير توا ينجم يعاون لي جون هذوما. Et pour les jeunes, une annonce spécifiquement pour les jeunes. Vous le savez, dans la circonstance actuelle, la situation est particulièrement compliqué, notamment pour les étudiants et les jeunes. Alors le Secours Populaire propose une aide exceptionnelle. Il distribue des colis alimentaires à destination des jeunes de 16 à 30 ans. C'est tous les mercredis de 17h30 à 19h, donc mercredi prochain à Saint-Jérôme.
mercredi 18 mars au Flamand et mercredi 24 mars à Lumini. On vous met les adresses exactes dans la description. Alors, on est allé vous aider à la collecte de la talaba. La talaba, elle est en situation maïche, bien sûr, avec tout. تكلمنا المرة اللي فاتت المرة اللي قبلها ولكن ديما باش نتكلموا على الزيتوديون اللي هما في حاجة خاطر قاعدين يعديوا في فترة ماهيش باهية بالكل انا والفان قاعدين نسجلوا اوني اون تران دونريجستري دي تيمونياج نتاع لي زيتوديون هذوما On est en contact direct avec les étudiants. Ça veut dire qu'on connaît leurs difficultés. Et prochainement, peut-être qu'on va diffuser ça sur Babelzins, les témoignages des difficultés des étudiants. On va balancer ça. Mais, au moins, la distribution des colis alimentaires, Alors, les dates et les lieux de la distribution, ça concerne les jeunes, Alors, ça se passe tous les jours, Saint-Jérôme. Et après, il y a une autre date qu'on peut vous donner. Le 18 mars, ça va se passer au Flamand. Il y a une distribution de colis. Il y a une distribution le mercredi 18 mars au Flamand. Ou le mercredi 24 mars, à Lumini. Il y a une description de la description de la vidéo. Et une dernière annonce, ce sera la dernière parce qu'on a beaucoup de temps. Petite annonce pour la Maraude sans nom, vous les connaissez certainement, on en parle régulièrement dans les bulletins de solidarité. C'est un collectif qui assure une distribution régulière de repas aux personnes dans le besoin, donc qui vivent dehors ou qui vivent dans les hôtels du centre-ville. Ils assurent deux distributions, deux types de distribution dans le centre-ville. Donc c'est un mouvement citoyen qui est né pendant le premier confinement, donc il y a presque bientôt un an. Alors deux infos à propos de la Maraude, sachez qu'ils sont à la recherche d'un lieu pour l'instant, ils partagent des locaux avec Coup de Pouce Migrant à Coco-Velten pour l'Orga et ils partagent les cuisines de la DAR pour une partie des Maraudes et les cuisines de Coco-Velten pour l'autre partie. Et donc ils cherchent un lieu pour être autonome, donc si jamais vous avez connaissance d'un endroit qui pourrait leur être mis à disposition, n'hésitez pas. Mais surtout, alors la Maraude en ce moment manque cruellement de bénévoles pour faire les distributions des repas. Donc ces distributions ont lieu les lundis, mercredis et vendredis soir. Donc il faut être disponible pendant à peu près 2 heures, de 18h à 20h. Donc il y a, je vous disais ça tout à l'heure, il y a deux types de tournées. Il y a une tournée qui se fait dans les hôtels, qui part de Coco-Velten, et une tournée qui passe par la Halle Puget, la Porte d'Aix et la gare Saint-Charles. Celle-ci part de la DAR Lamifa, à la rue d'Aubagne. Donc vraiment, il y a un besoin assez urgent de bénévoles. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas. Et pour ce faire, pour s'organiser, vous pouvez aller voir directement sur la page Facebook de la Maraude sans nom qu'on vous partage. Alors, اليوم باش نكلموكم كل عادة مرة أخرى نذكركم بالمارود سونو المارود سونو نذكركم اللي هي كوليكتيف متاع بينيفول تكونوا من البرومير كونفينمون سافيدير من شهر مارس والمارود سونو Ils sont engagés. Alors, Kaounou, le collectif Azaï, Bish, il farco le mec là, que ce soit Manta Fiat Lefa Nikat, Ali Heya, la Halle Puget, la Porte d'Aix et la gare Saint-Charles. Alors, une facile comme Chouaïa qui fait ça se passe. Alors, ça se passe, Ali, la Dar la Mifa, Taïb, les repas pour la Marotte qui fait. La Porte d'Aix qui fait la Halle Puget et la gare Saint-Charles. Et après, il y a une autre cuisine, elle est Coco-Velten, elle est Kada Taïb, fait 150 repas chaque jour. Et les 150 repas sont destinés aux hôtels. Les hôtels où il y a le reloger, ça veut dire Nes, Ali Malkaush, Ali Tahti Diaram, ou les difficultés, Malkaush Dar, Femme Al-Beladeya, ou le ville, Kadet Aoud, Saknet, on fait des hôtels. Mais par contre, Ma'andhomsh, Ma'anetha, Ya'anet, Okhra, Min Anhom, Rir, Yosknou, Filwetla. Nahna, la Maraude sans nom, Net Kalfou, de distribution, Ta, les hôtels, chaque soir, de 18h à 20h.
mais la havna ani fi fatra l'akhra la marot sonno qada naqsa fi shwaya de bénévoles. Les bénévoles ou le collectif de la marot sonno, il a commencé mchar mars ou taqrib kanu fama miet bénévoles. Mais qui nzakru ali les miet bénévoles hadouma huma nas tkhdem فما دي زيتوديون فما ناس عندها مشاكل اخرى زاده في حياتها وقاعدين يعملوا في لي غولي مي اون ا رماركي اللي في الفتره الاخرى سا مانك ان بو دي بينيفول الوغ نعملوا ان ابل فرانشمون سي فوز افي لو طون سا فو برون با بوكو دو طون سا سباس انتر 18h اي 20h لو لندي لو ميركودي اي لو فوندردي معناتها ما تاخذش من وقتكم برشا هي الحكاية بين 6 متاع العشية و 8 متاع العشية وقاعدة تصير كل نهار اثنين نهار اربعة ونهار جمعة وعنا دو جروب في لاماغوت سونو فما اكيب معناتها فرقة اللي هي بالوتلة متاع ليغولوجي وقاعدين يفرقوا في 150 عشاء لو لندي لو ميركودي نهار اثنين نهار الاربعاء ونهار الجمعة وفما ايكيب اخرى زادة فيها ابوبخي بين 8 و10 بينيفول اللي هما لهين بالالبيجي باللا بورت ديكس اي لا غار سان شارل هذه ايكيب اخرى مي افيك لو طون معناتها من وقت لموا دو مارس جوسكا مانتنون صافي بريسك ان اون مانتنون اون اني المتطوعين هذوما فما برشا كيما ذكرت ناس يقراو ناس لهين عندهم حاجات الور قاعدين ناقصين بشوي بشوي قاعدين ينقصوا لو بينيفول نتمنى ان هالناس اللي عندها وقت بين 6 نتاع العشيه و 8 نتاع العشيه انهم يعملوا ابيل ينجموا يمشيو لاباج فيسبوك نتاع لا ماروت سونو وينجموا يشاركوا وينجموا يكونوا في الوقت ويواصلوا معناتها الاكسيون بينيفول هذيا باش البار با ديلون ونواصلوا نعاونوا اصدقائنا في الشارع المتواجدين في الشارع كو سوا دي ميغرون كو سوا دي زيف معناتها نجموا نعاونوا الناس هذه الكل وبالوقت ماذا بيا جو بيان فيغ ان بتي كوكو ان بتي سالو à Coco Valtan et à la Darla Mifa depuis un an maintenant qu'ils assurent entre 100 et 150 repas par jour et c'est énorme parce que pour les repas rien avant qu'on parle des maraudes il y a les bénévoles qui font la cuisine et ça dure depuis un an maintenant entre la Darla Mifa et Coco Valtan et on salue franchement, leur effort et ce qu'ils font, et on les remercie. On salue tous les bénévoles, tous les solidaires de Belzins, du centre-ville et d'ailleurs. Merci, merci à vous et courage. Et voilà, voilà, ça donne toujours du baume au cœur. Voilà, c'est tout pour le bulletin du 3 mars 2021. Vous écoutez Babelzonde, on va se mettre un petit peu de jingle. Allez, on est de retour, ici Arafat et Alvan sur Babelzonde, le talk show de Belzins, une émission qui vous est proposée par babelzins.com sur Marsilia Stream. Il est l'heure d'accueillir prof Babacar. Bonjour prof, prof qui vient. Bonjour. Bonjour prof. Qui vient nous proposer maintenant à chaque émission un petit son de Belzins. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que Belzins c'est un petit trésor du patrimoine musical marseillais, en tout cas qui regorge de petites pépites. Et donc prof, tous les 15 jours à chaque émission, il vient nous montrer, il vient nous faire écouter un petit peu de ses pépites. Bon, ça, c'est toi qui le dis, hein. Ouais. Comme je rappelle, j'ai voulu tricher pour savoir c'est quoi le son qu'on va écouter aujourd'hui avec que j'ai nommé la rubrique de prof Babacar, les vinyles de Belzins, parce qu'on parle un peu de l'époque des vinyles. Oui, il y a plein de vinyles. C'est pour ça que j'ai mis ma tenue de chasse, parce que je suis parti en chasse au vinyle. Et là, du coup, j'ai pas réussi à avoir le son d'aujourd'hui. On va les découvrir avec vous, chers auditeurs et auditrices.
le son d'aujourd'hui avec Prof Bobacar. Il nous fait toujours la surprise. Alors, d'abord, je vais vous dire que il y a 15 jours, j'avais passé un morceau de John Uzzila et j'avais oublié de vous dire que malheureusement, John Uzzila nous a quittés à la fin 2019. Il est mort à Marseille. Il a été rapatrié. Salut. Voilà, paix à son âme. Mais là, on va parler de quelqu'un qui est vivant, et bien vivant, même s'il n'est plus à Marseille, même s'il n'a pas vraiment résidé à Marseille. Il s'appelle Mohamed Mazouni, le conteur. Les pépites de Belzins. À chaque fois, il nous sort de nos Prof Bobacar avec des pépites. Nous, les habitants de Belzins, on ne connaît pas. Bon, alors, pourquoi un rapport avec Belzins sur Mohamed Mazouni qui ne vivait pas à Marseille, qui vivait plutôt vers Clichy? C'est que ce 45 tours-là, il a été produit par un label qui était basé à Marseille, à Belzins. Okay. Voilà. Il y avait plusieurs labels, des distributeurs et des labels qui étaient basés à Belzins. Un jour, je vous amènerai Fossephone qui a fait une vraie recherche sur tout ça et qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et Mohamed Mazouni, non seulement il a été produit par un label marseillais sur ce 45 tours, mais en plus il a chanté Marseille. Donc, voilà. Ma connaissance de l'Algérie n'est pas suffisante pour vous dire de quoi, qu'est-ce qu'il raconte, mais peut-être qu'Arafat pourra nous le dire après la chanson. Ok. Et le nom du label alors? Les disques du Sahara. Les disques du Sahara. Ouais. Les disques du Sahara. On écoute alors? Allez. Allez. On découvre ensemble, chers auditeurs et auditrices. Yalla bina. Yalla. كرهت الكفار يا سيادي مزيا اللي عندي بلادي في جل الخبز والقوت كل نهار نقول نموت في جل الخبز والقوت كل نهار نقول نموت خفت نية دم ولادي نفتح الراديو الاصوار نسمع متزاير اخبار قالوا راه جانا صندوق واش عمل هذا المخلوق قالوا راه جانا صندوق واش عمل هذا المخلوق قتلوه في مرصي بالنار دولتنا خضات الموقف ورئيسنا راهو يحلف وحنا لازم نتحدو نديرو الراي نرجعو نعدو وحنا لازم نتحدو نديرو الراي نرجعو نعدو نخبي المال ما نزيد نصراف صابوني الشرطة صهران ما كنت نسرق لا سكران قالوا لي هات الكواغط عشت معاهم هبط قالوا لي هات الكواغط عشت معاهم هبط عقبت عامين في إفران انا سهرات الليل الخدم يعمل تاويل يبعثهم لبلاد وفلوس كي يرجع يدخل لاروس يبعثهم لبلاد وفلوس كي يرجع يدخل لاروس ويبني حمام جميل
البنيات يكرهونا حتى عم حبونا واحنا نتمثلوا بهم ونخسروا الملا عليهم واحنا نتمثلوا بهم ونخسروا الملا عليهم بلادنا مغبونا روحك يا ولد البلاد رد بالك يديك الواد امك راهي تقار عليك خايفه لا يطفروها فيك امك راهي تقار عليك خايفه لا يطفروها فيك خوك لا حرمت على الجهاد فرنسا باركات شحال الشبان راحوا ضحيات قولوا لخوتي يقفزوا توحشهم تيزي وزو قولوا لخوتي يقفزوا توحشهم تيزي وزو البلاد عليهم نادات tapis musical. C'était Mohamed Mazouni avec Marseille, des voilà. Disques du Sahara. Voilà, Marseille, c'était la phase B du 45 tours. En fait, c'était le 45 tours, c'était Je suis seul. Okay. C'est une jeune femme qui chante Je suis seul, mais wow. Sur le 45 tours, c'est au masculin, donc on ne sait plus vraiment qui est seul dans l'histoire. Et alors, comment t'as rencontré ce 45 tours quelle est l'histoire Attends, j'ai mis ma tenue de chasse. C'est une longue, track. Okay. Tu te mets à l'affût, tu mets à la gâchon comme ça, et tu guentes, et tu guentes, et tu guentes, et puis d'un coup tu vois le 45 passer, hop, et bim, tu le prends. Et tu l'as eu. Eh oui. Et tu le mets dans la poche, dans le coffre-fort. Dans la besace. Voilà, merveilleux. Eh ben merci beaucoup, prof. Je vous en prie. Et puis, merci à vous. Avec cette pipite. Mais je vous rappelle que le prof nous a fait écouter la semaine dernière, mais ça sonne dans la tête de tout le monde avec le funky boogie. Franchement, c'était trop bien. Et aujourd'hui, avec Mohamed Mazouni. Alors, on continue. Bon, à ce moment-là, d'habitude de l'émission, on accueille un invité du quartier qui vient nous parler d'une initiative associative, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, malheureusement, les personnes qu'on voulait inviter ne pouvaient pas être présentes. Il s'agit d'un groupe d'enfants du centre de loisirs, du centre de culture ouvrière Bernard Dubois. Peut-être que vous le savez, en ce moment, c'est les vacances. Et ils sont en ce moment au centre de loisirs. Et cette semaine, ils avaient décidé de travailler sur la radio. Alors, lundi et mardi, ils ont préparé une petite émission de radio qu'on a enregistrée et ce on matin. Les a enregistrée ce matin, ouais, Elven. Au théâtre. Allez. On écoute Myriam, Jasmine, Warda et Colline. Alors, j'avais promis qu'on ne se trompe pas sur les prénoms, alors je vais la refaire. Allez, vas-y. C'est Myriam, Jasmine, Warda, Colline et Lola. Elina, pardon, j'oubliais Elina. Voilà, qu'on écoute tout de suite, qui nous ont préparé une petite émission. Bonjour tout le monde.
Je m'appelle Jassim et avec moi il y a Myriam, Lina, bonjour, et Warda. Bonjour. Nous avons toutes et tous entre 10 ans et 12 ans. Il y a aussi Colline et Lola, nos animatrices. Bonjour. Nous venons vous parler à la radio Babel Zonde grâce au centre social Bernard Dubois à l'équipe Théâtre de l'Œuvre. Nous sommes en vacances et passons nos journées dans le centre qui se situe à Coco-Veltel. Nous aimerions vous parler des musiques qui nous plaisent et d'une activité qu'on va faire au centre. Myriam va aider Elven qui nous accueille aujourd'hui le 3 mars à la technique. Tout d'abord, Lina va vous présenter Weshden et va vous faire écouter. Fallait réfléchir, bonne chance. Je vais vous parler de Weshden, une chanteuse R&B française. Elle a 16 ans, elle est née le 23 avril 2004 à Saint-Denis. Elle se fait connaître grâce à sa chanson publiée le 27 mai 2020 à Nice et surtout grâce au réseau social TikTok. Il y a une J'aime Weshden parce que j'aime bien sa voix. Il y a une semaine, elle sort un nouveau clip, Fallait réfléchir, que je vais vous faire écouter. J'espère que vous avez aimé ce premier son. C'est au tour de Warda qui va vous parler du slime et va vous faire découvrir quelques anecdotes sur les animaux. Bonjour, je vais vous apprendre à faire du slime. Le slime est une substance qui peut se malaxer un peu bizarre, qui peut prendre différentes aspects et différentes textures. Il peut y avoir un fluffy comme un nuage, un crunchy avec des billes de polystyrène qui font du bruit. On peut fabriquer le slime soi-même. Quels sont les ingrédients? De la colle Cléopâtre liquide. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Chez mon petit librairie de Marseille sur la Canebière. Du borax, les gouttes pour les yeux à la pharmacie, de la mousse à raser, des paillettes, du colorant, des billes de polystyrène et on mélange tout ça et ça fait un slime scientifique. Je vais vous parler des animaux, d'accord? Vous savez que les limaces ont un peu plus de 1000 dents sur leur langue appelée radula. Et maintenant, je vais vous passer mon collègue Jassim qui va vous parler des méduses. Le saviez-vous? Les méduses se rapprochent de l'immortalité car leurs cellules peuvent se régénérer. Ça veut dire qu'elles peuvent rajeunir. C'est l'animal qui vit le plus longtemps dans le monde entier. À mon tour de vous présenter Kobalade et sa musique Coffre plein. Son vrai nom est Marcel Junior Loutari. Il est né à Saint-Denis le 3 avril 2000. Il a grandi avec beaucoup de frères et sœurs et malheureusement perdu son frère jumeau à la naissance, d'où sa chanson « Pour toi ». Il débute le rap à ses 15 ans. Savez-vous d'où vient son nom de scène? Il est inspiré par le singe Koba dans la saga La planète des singes. La D signifie la débrouille, la détail, la défense. Et maintenant, je vous laisse écouter. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai vécu comme Kobalade. Je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir mes deux sœurs et mon frère. C'est pour ça que ces musiques me touchent un peu, même s'il y a un peu de gros mots. Merci d'avoir écouté. Cela était bien de vous présenter nos centres d'intérêt. C'était les enfants de Coco Bernard Dubois. C'était Jassim, Lina et Warda. C'était Myriam et Elven à la réalisation. Cette émission a été réalisée au Théâtre de l'Œuvre. Au revoir et merci. Au revoir, merci. À Babel Zens, Marcilia Stream. On rend l'antenne à Arafa et Elven. Merci, au revoir, à bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt et ciao. Merci. Et on remercie le groupe ACM du CCO, Bernard Dubois. Bravo à vous, l'équipe, Myriam, Jassim, Warda, Lina et leurs animatrices, Colline et Lola. Encore bravo. C'était une émission qui a été enregistrée ce matin dans les conditions du direct. Alors vraiment, on peut les féliciter, notre petite équipe. On salue les enfants du CCO. On salue au passage le CCO. Et aujourd'hui, avec nos invités, nos musiciens, on a Seba et Yacine. Seba, en off, on se demandait, est-ce qu'il est le plus argentin des Marseillais ou le plus marseillais des Argentins? On se pose la question, Yacine aussi. Et on vous laisse vous présenter, c'est nos deux musiciens d'aujourd'hui sur Babelsonde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis les deux peut-être. 50-50, bah, plus ou moins. Je sais pas, bon, en tout cas, je me trouve très bien ici. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à d'où je viens, à Buenos Aires. Et donc, voilà, les seules choses que je peux pas changer, c'est mon amour pour San Lorenzo, que c'est irremplaçable. C'est pas pareil que l'OM. Ok. Et alors, comment on peut te présenter, Seba? Comment je peux. Quelqu'un qui essaye fort à chercher mon destin, quoi. Toujours, j'essaye. Et alors, avec la clarinette. Tu cherches ton destin avec. T'es un joueur de clarinette. En général. T'es multitalent parce que tu joues à la guitare, tu chantes. Mmh. Et je te remercie. Pour ton passage à mon anniversaire, c'était trop tard. Ça, c'est perso. Oui, c'était. Et alors, vous vous connaissez, il me semble, à partir du collectif Bocolo, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce collectif? Ouais. Seba. Collectif de gens, des musiciens, des personnes qui sont reliées à un peu à la musique, du rap, hip-hop, musique du monde. Et on se trouve tous autour de la musique, le partage et la mise en valeur de la scène marseillaise populaire. Quoi. Ok. On rappelle que le collectif Bocolo, il a des musiciens un peu de partout dans le monde. Vous êtes, oui. Moi je compte un peu, et vous êtes... Une vingtaine, un peu de partout dans le monde. Il y a des Maghrébins, il y a des Latinos, il y a des Français, il y a des Orientaux. Vraiment, vous êtes un collectif. Mais comment vous arrivez à emboîter toutes ces musiques pour créer ce collectif? Justement, avec la musique, vu qu'on ne se comprend pas quand on parle. il faut faire le plus facile, non? Et du coup, oui, mais on est tous habitants de Marseille, il y a beaucoup de Marseillais aussi. Et donc, ouais, oui, voilà, c'est un peu mélange. C'est le truc typique d'ici. Ta rencontre avec Yacine. Là, comment s'est fait notre rencontre, Seba? Je pense comme la grande majorité des musiciens à Marseille, sur des jams. Hein. C'est parti de là. Donc, de mémoire, je suis arrivé un soir à Malmousque. Si tu te souviens de ça, c'était en août, il y a 5 ans, je crois. Et j'étais arrivé un soir à Malmousque, et puis tout le monde est un peu en train de jouer. Je voyais ce gars-là avec un quattro vénézuélien, instrument que j'avais jamais vu. Okay. Et pour comprendre après qu'en fait, il est quand même spécialisé clarinette et flûte traversière. Mais c'est parti de là, puis ensuite il y a une affinité qui s'est fait très naturellement. Et donc voilà, du coup, on vit de petites jams, de petites choses ensemble et d'une petite affinité entre nous deux. Et pour rebondir sur est-ce que c'est le plus marseillais des Argentins, le plus argentin des Marseillais, ouais. La réponse, il faut se faire inviter à un barbecue chez lui.
parce qu'il prépare la viande comme un Argentin et les sardines comme un Marseillais. Donc, voilà, la réponse, elle est facile. Ça donne envie. C'est trop bien. Ça donne vraiment envie. Voilà, voilà. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau? Est-ce que ce serait pas entre barbecue argentin et sardine marseillaise? Voilà, c'est on ça. On va écouter un petit morceau beaucoup avec de... Yacine et Seba. Beaucoup de couscous chez moi aussi. Allez, on écoute Seba et Yacine dans un live sur Babel's Onde. Marseillaise, flûte argentine, c'était trop beau. Merci beaucoup, merci Seba et Yacine. Et alors, on reçoit maintenant Isabelle, notre chroniqueuse, qui nous parle aujourd'hui, je crois, d'amour. C'est bien ça, Isabelle ? Ouais, c'est ça. Alors Isabelle, on t'écoute. Elle s'appelle Isabelle. Ok, oui, un peu d'amour, ça fait pas de mal. C'est vrai. Alors, dans les années 60, une petite fille nommée Barbara cessa un beau jour de s'intéresser aux poupées représentant des enfants. Elle voulait une poupée femme afin de s'amuser à imaginer sa vie future. Alors sa mère, Ruth Handler, en créa une, au regard taquin et à la forte poitrine. Barbie voyait le jour. Vous voulez que je vous parle d'elle ? Alors, pour commencer, sachez qu'on nous ment. Bah oui. Barbie et moi, on a le même âge. Aujourd'hui, j'ai pris des rides, et bah pas elle. Curieux, non ? Et puis, encore une chose qui n'a pas changé, elle n'a toujours pas de foufoune. Puisque je vous le dis, on nous cache quelque chose. Alors, j'ai voulu en savoir plus. J'ai mené mon enquête, et voilà pour vous toute la vérité sur la vie intime de Barbie. Alors au début de son émancipation, soit elle aimait, mais rien en retour, soit le gars l'aimait et elle m'accache. Bon, bah, elle s'était habituée, hein, elle gérait, elle avait son planning des amants la petite semaine. Mais il y en a quand même eu un avec qui elle a fait une tentative de copulhabitation, mais ça a capoté. Bah oui, pas de fouf. Il s'appelle Ken. Ken, il est beau et fort. Barbie, elle est blonde. Ken, il a une belle tenue de camouflage. Il va à la guerre. Barbie,
elle a une belle trousse de maquillage et elle va à la mer. Et elle regarde les autres Ken en coiffant ses beaux cheveux blonds pour que quand son Ken à elle, il revient de la guerre, il puisse tirer dessus très fort. Et bah oui, puisqu'il est très fort. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Barbie, elle a plein d'accessoires. Elle a même un petit réservoir avec des larmes qui coulent. Ken, il pleure jamais, c'est un homme. Et puis un jour, elle s'est dit « Oh, j'ai plus envie de me faire Ken ». Et elle l'a quitté. Elle l'a quitté. Radicale, elle s'est rasée la tête, elle a enfilé une tenue de camouflage et ni une ni deux, avec sa team de copines, elles sont parties en guerre contre tous les Ken du monde. Fallait les voir, hein, des vrais canons. Et puis un matin, elle a trouvé un vieux miroir qui traînait. Elle l'a regardé bien en face. « Chérie, mon bel amour, dis-moi, dis-moi. » Mais qu'est-ce que c'est ? Bah c'est qui ça ? Elle voyait une bouche et des yeux tout tristes, tout rétrécis. Bah c'est pas moi ça ! Bah si, c'est toi ma chérie qui lui a répondu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah voilà la réponse à mon questionnement existentiel sur la non-fripitude de Barbie. Comme ni les beaux mecs, ni les beaux miroirs ne la regardaient plus, elle a choisi un botox. Bah, elle allait quand même pas se dégonfler. En tout cas, on peut dire qu'il lui a sauvé la vie. Je vous raconte. Un jour, joyeuse, insouciante, le cœur au vent, elle prenait l'air. Et voilà que ce con lui tombe dessus. C'est pas du deuxième degré, hein. Elle attendait le bus et un mec lui est tombé dessus. Ah bon, Barbie, bah, t'as pu t'en sortir ? Raconte. Bah, il a loupé son suicide. En gros, je lui ai servi d'airbag. Eh oui, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Nick et moi. Non, c'est pas une requête. Nick, c'est lui. Et moi, c'est moi. Donc, Nick et moi, on s'est retrouvés à l'hosto, enrubannés du haut en bas, les yeux dans les yeux, il n'y avait plus que ça de visible. Hé, la potiche, t'aurais pas pu me laisser clamser au lieu de te planter comme une grue sur mon chemin ? Non mais je rêve. Pourquoi tu t'es loupé ? Bouffon, pétochard, tête d'enclume ? Du coup, il m'a cassé le nez. C'était tout ce qui me restait de visible. De valide. Le lendemain, pas un mot. On s'est ignoré, mais quand même en se fusillant bien du regard. Le jour d'après, quand nos yeux se sont croisés, oh, il s'est passé un truc super chelou, comme une décharge qui serait pas partie la veille. Mais là, on est resté scotché, à se regarder pendant un temps fou et chanter que je pétillais de partout. C'était bizarre. Lui aussi, il était plein d'étincelles. Eh ben, on a aimé ça. Hein. Il y en a qui tombent la chemise. Nous, les momies, chaque jour, on tombait quelques bandelettes. Chaque jour, on se dévoilait un peu plus. Et ça, je te jure, ça vaut tous les striptease du monde. Et maintenant, bah, j'ai un sérieux problème. Je l'aime. Et pire, il m'aime. Wow, merci Barbie. Oh, je crois qu'un petit hommage s'impose à tous les Ken, toutes les Barbies et tous les Nick du monde. Merci pour eux. Et concernant l'absence de Zézette, l'enquêquette est toujours en cours. Ma seule supposition à l'heure actuelle, Barbie serait probablement une réincarnation de la Sainte Vierge. Amen. Bravo Isabelle, bravo Isabelle. Sierre, on l'applaudit. Merci beaucoup Isabelle pour ces belles paroles. Merci. Merci Isabelle. Waouh. J'avais oui, Yacine. Pensé à Barbie et à Ken. Ouais, Isabelle, merci. Dans la catégorie Barbie, est-ce que tu sais Isabelle que je crois que c'était en 2010 qu'ils avaient sorti Barbie Ingénieur ? Alors là, je me t'ai dit, waouh, va y avoir du progrès. Le communiqué, c'était qu'en fait, Barbie Ingénieur allait pouvoir... développer des programmes pour programmer le four. Ah oui, d'accord. Et là, je me suis dit, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti du patriarcat, quoi. D'accord. Très bien. Ok, merci. Mais elle n'a toujours pas de foufou. Et elle n'a toujours pas de foufou, en plus. On remercie Isabelle Serre pour cette chronique. Merci beaucoup, Isabelle. Barbie et Ken. On est de retour, on est toujours sur Babel's Onde. Sur Marsilia Stream, on est toujours avec Seba et Yacine.
Et au passage, on remercie Ashraf, notre technicien régisseur. Okay. Et on vous rappelle que Ashraf, Anis, Oussama et Aziz, ils passent chaque mardi de 19h à 21h avec l'After Work. L'After Work, c'est une émission, il y a de tout. Et la semaine prochaine, apparemment, ils vont nous parler de Tesla. Ok. Est-ce que on est hyper 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 à la bourre? Est-ce que ça vous dit de nous faire un deuxième morceau, messieurs? Allez, allez. Un petit son avec l'Argentin et le Marseillais. On écoute Seba et Yacine. Merci, Seba. Seba et Yacine. On a voyagé avec vous un petit moment. En live dans les studios de Marsilia Stream. On enchaîne tout de suite, il me semble, avec Julie. Julie, je crois que tu as décidé de venir nous expliquer pourquoi il fallait te remplacer. Tout à fait. Déjà ? Tout à fait. Alors dis-nous. Comme d'habitude, Julie, elle va encore tout déchirer. Bonsoir. Alors pour cette seconde chronique, j'ai souhaité changer de place dans le studio. Bon allez, ça va, ok. Je me sens un peu piteuse, mais je vais vous l'avouer. Je me suis regardée au moins 23 fois le live de la toute première chronique radio de ma vie, avec ce plan en contre-plongée de la vicieuse petite webcam cachée dans le coin là-bas. Putain, j'avais la tête d'Isabelle Balkany qui se serait collée une frange du Crazy Horse pour faire fantaisie. Ça, cette caméra était vraiment, vraiment, vraiment bien trop près de mon visage, les gars. C'est particulièrement cruel de faire ça à une femme de 40 ans. Je boitais déjà en arrivant au studio et vous m'avez terminé avec une petite bastos dans la rotule à la Tarantino. Non, mais vraiment. Bon, sinon, vous le saviez, vous, qu'Isabelle Balkany allait être la prochaine chroniqueuse chez Hanouna ? Ouais. Il y avait déjà eu Roselyne Bachelot en 2014. Et voilà que depuis, Roselyne est devenue ministre de la Culture. Non mais allô quoi, ministre de la Culture. Imagine l'année prochaine, notre brave Isabelle Balkany pourrait devenir ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle arpenterait les couloirs de la fac de Nanterre avec son casque de colon et sa Winchester, secondée de son fidèle grain de riz, en tenue de camouflage. À la Gachon, il chasserait l'islamo-gauchiste, le rom zadiste, la féministe séparatiste et le migrant vegan dans leur milieu naturel. Bon...
Là, je dois faire une parenthèse dans la parenthèse pour expliquer qui est Grindry. Je vous fais rapidement le pitch de l'extrait d'un reportage de Canal+, déterré par la chaîne parlementaire et diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce documentaire sur les Balkany, on voit un gars originaire du Cambodge embauché par la mairie de Levallois. Enfin, on voit plutôt ses mains qui savent faire vigoureusement sur le petit bras potelé d'Isabelle Balkany alors qu'elle est à son bureau impérial. Hors champ, on imagine ce père de famille à genoux, sur la moquette, qui prodigue le plus discrètement possible de tendres massages à sa bienveillante patronne. Et pendant ce temps, Isabelle, toute palpée de la chair, explique aux journalistes que Grindry est un petit bout de people que Jacques Chirac leur avait demandé de récupérer, et elle poursuit en super détente. « Notre Grindry, il avait un nom pas possible. Du coup, pendant un moment, on l'a appelé Maurice. Mais Maurice, c'était pas assez drôle, tu comprends? Alors je l'ai appelé Grindry, et ça fait rire tout le monde au courrier. Depuis, on l'appelle tous Grindry. Il est super !» Isabelle, sacrée Isabelle. Mais dis-moi Isabelle, c'est pas très poète-poète comme prénom? Bout de gras, ce serait vachement plus poilant, non? Bout de gras, Grindry et bout de gras. Et là, vous réalisez que je sais fabriquer sur commande de la Jean-Marie Bigardise. J'atteins le plus simplement du monde les sommets du raffinement et de l'excellence spirituelle de l'humour. Non, c'est rien, prenez tout, c'est canon. Non, franchement, les garçons, je comprends pas pourquoi vous me faites venir pour lire des textes que j'écris laborieusement, alors que la seule présence dans le studio de repris de justice de la politique vous ferait faire le buzz. Et tout de suite, notre duo de choc sur Babel's Ondes, Maryse Joissin et Jean-Claude Gaudin. Joissin et Gaudin, eux, ce sont des influenceurs, des gens qui emportent les foules, ça aurait un peu plus de gueule tout de même. En plus, moi, j'ai jamais fait de trucs illégaux. J'ai beaucoup trop peur de la marée chaussée. Au bac, j'ai eu mention assez bien. Je trie méticuleusement tous mes déchets. Jamais de garde à vue, jamais de perquisition, aucun détournement de fonds ou d'emploi fictif, aucun hashtag pour dénoncer un harcèlement que j'aurais exercé sur des subalternes. Pas de plainte contre moi, sauf peut-être celle de mes filles dimanche soir qui étaient très colères à cause que j'ai pas fait des lasagnes que j'avais promis juré. Non mais maman, vraiment, c'est trop injuste! Et là, vous vous dites, bon, tant pis, elle pourrait quand même jouer à la chroniqueuse façon CNews. Mais malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrai jamais atteindre le niveau d'un Zemmour ou d'un Pascal Pro. Même quand je suis à 3 grammes, j'arrive pas à faire des théories sur le grand remplacement et le complot mondial. Je n'ai absolument aucun ennemi imaginaire qui pourrait justifier ma morne existence d'occidental névrosé. Bon, du coup, je profite de ce micro pour vous le dire solennellement et devant témoins. Votre stratégie marketing est toute pétée. Alors, comment se ressaisir pour la prochaine émission ? Eh bien, la question, elle est vite répondue. Je vais d'abord passer récupérer mon énorme chèque à la compta. Et pour prendre ma place, vous allez organiser rapidos un petit casting dans une quelconque permanence politique. Et puis, on n'en parle plus. Hein, il faut miser sur l'avenir. La parenthèse est toujours ouverte, exactement pareil que les portes du pénitencier, mais seulement pour les voyous en col blanc. À la prochaine. Merci, Julie. À la prochaine. Bravo. Merci, on vous garde, franchement on vous garde. Moi je vous préfère mille fois Isabelle Balkany, Ouais. Eric Zemmour, franchement. Ouais. Ouais, quel dommage. Ouais. On est Babel's Ondes, on n'est pas, touche pas à mon poste les gars. Ouais. Je l'ai, elle est en moi. T'imagines, t'as même pas de téléphone. Hop, faire des canulars, ouais. Comme d'habitude, Julie, elle déchire tout au passage. On enchaîne, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que messieurs, ça vous dit nous faire un dernier morceau? Allez. Et puis après, on va devoir rendre l'antenne parce qu'on est déjà à la bourre. Exactement, avec Seba, Yacine, un dernier morceau pour voyager en musique. Un petit peu plus mouvementé. Hein. Oh. Allez, ouais. Allez. On commence là, on finit mouvementé. Thank you.
Bravo. C'était Seba. Bravo. Et Yacine. Messieurs, très rapidement, est-ce qu'on peut vous entendre, vous écouter quelque part en ce moment? J'imagine que c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel. Ah là, c'est très très compliqué. Ben, Elven, je profite à annoncer qu'avec le collectif Bocolo, on est en train de préparer le spectacle Moving Balzan 5. Ok. Qui va être la réouverture au Théâtre de l'Œuvre, le premier spectacle après le confinement, une fois qu'on peut recevoir. Et on croise fort les doigts. Bon, ben, à très vite, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup de nous avoir accompagnés. C'était Seba et Yacine. Et alors, ben voilà, notre émission touche à sa fin. C'était la deuxième de Babelsonde, le talk show de Belzins, une proposition de Babelsins, le média participatif de Belzins, en partenariat avec Marsilia Stream. On remercie nos chroniqueurs et chroniqueuses en ordre de passage et d'écoute, Prof Babacar, Isabelle et Julie. On salue et on remercie chaleureusement toute l'équipe du CCO. Alors Myriam, Jassim, Warda, Lina, Colline et Lola. Et on remercie Seba et Yacine pour leur venue et leur magnifique chanson. C'était Ashraf à la réalisation technique de cette émission. Merci Ashraf, et la présentation et la préparation. C'était Arafat et Elven. On vous salue, portez-vous bien. La prochaine, ce sera le 17 mars à 17h. On aura encore une fois des chroniqueurs, des invités, et on devrait également recevoir les crieurs de Noailles, n'est-ce pas Arafat? Les crieurs de Noailles avec le best-of. Ils vont être avec nous le 17 mars à 17h. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à très vite. À très vite, merci.